Salut à tous. Bon, on se retrouve pour arrête. On se retrouve pour une arme. Celle-ci. Donc c'est un calibre 16. Bon, à mon avis, il a du vécu. Bon, on va voir pour le nettoyage et ça va plus être une rénovation qu'un nettoyage, je pense, parce que elle est vraiment dans un sacré état. Bon, pour l'instant, j'ai mis déjà un petit coup de chiffon. Mais bon, on va voir ce qu'il en donne quand on va l'ouvrir, tout ça, voir si elle marche. Là, je vois déjà que la crosse est fissurée ici. Donc bon, voilà. Juste là. Mais ça a été réparé avec un petit morceau ici. Donc bon, cette arme déjà, pour l'ouvrir. Voilà, c'est compliqué. Mais déjà, je me suis aperçu d'un truc. Bon, elle est vide. C'est. Voilà, tout marche bien déjà. Les deux percuteurs percutent. Maintenant, est-ce qu'ils y sont ou pas? Là, on ne le voit pas. Ça, il faudra le réparer. Mais je me suis aperçu d'un truc. C'est surtout que quand on met la sécurité, donc la sécurité ici, donc voilà. Donc là, elle est activée. Donc celle-là de détente, voilà, elle est bien en sécurité, mais par contre, là, ça percute. Donc il faut absolument réparer ça parce qu'il faut que l'arme soit fiable, quoi. Donc bon, je vais la démanteler et on verra bien. Bon, l'idée, c'est de nettoyer qu'elle brille tout bien. Après les canons, déjà, le canon n'est pas piqué. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Après la crosse, bien sûr, elle est usée. Comme là, il y a eu cette petite réparation. Donc, je ne vais pas poncer la crosse. Je ne vais pas la poncer parce que déjà, le bois, je ne m'y connais pas trop. Et je n'ai pas envie de faire d'erreur et de me retrouver avec une arme toute moche. Et donc, juste le bois, je vais le faire briller. Après la crosse, pareil ici, c'est pas joli, joli. Là, je vais le laisser tel quel pour aujourd'hui, mais après, j'essaierai d'en trouver une de substitution. Donc, cette arme, je ne sais pas d'où quelle est la marque ou d'où elle provient, mais on me l'a cédée et elle est pas mal. Ici, là, sur le petit logo, on peut voir qu'il y a marqué Armless. Donc, bon, on verra bien si je trouve quelque chose ou si vous connaissez cette marque. Donc voilà, on va voir s'il marche, on va le démanteler et tout ça. Donc on va poser le fusil ici. Pour tout ce qui sera le nettoyage, tout ça, on aura plusieurs produits, j'ai pris. Bon, des chiffons, le petit tournevis plat pour la démanteler. Après de l'huile de lin pour la crosse, pour la rendre un peu plus jolie. De l'acétone pour dégraisser tout ça. Et enlever les petites. Il y a plein de petites. De graisse, des taches, tout ça. Donc, on a le miroir aussi pour enlever ces petites taches de graisse. Le WD-40 pour dégraisser si j'arrive pas à enlever quelques vis. Et bien sûr, de l'huile pour arme qu'on mettra à la fin pour le final. Et surtout, essayer d'enlever le problème de la sécurité, le problème aussi de l'arme qui s'est défait quand même très dur. Donc bon, c'est parti! Bon, on a les canons. Alors dessus, je lis choc certifié. Donc peut-être que l'arme est choquée, mais j'ai pas l'impression. Alors tir, choc. Donc c'est marqué plusieurs fois choc. Saint-Étienne. Donc à mon avis déjà c'est une arme de provenance française. Donc c'est pas mal. Alors on va faire un petit zoom, on mettra une petite photo là. Voilà, il y a plein d'inscriptions, donc on verra après. Déjà les canons, c'est pas mal marqué. Ils sont plutôt sales. Donc là, ça va être la partie qu'on va le plus bidouiller à mon avis. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Parce qu'en vrai, les canons, ça sera vite nettoyé vu qu'ils ne sont pas piqués. Donc, cette partie. Alors, voilà, je me doutais. Là,
Alors là, il y a les deux percuteurs, donc on peut bien voir que celui-ci est quand même plus long que celui-ci. Donc j'ai bien peur qu'il y en ait un des deux qui ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bon, on va dire rénover cette arme et après on verra si elle marche. Donc on fera un petit test avec des cartouches juste avec amorce ou avec un carton. Mais à mon avis, avec un carton, ça percutera, mais on verra pas. Bon, bref. Donc on verra bien. Là, on voit qu'il est, que c'est un beau percuteur, mais là, on voit qu'il est petit, qu'il est. Donc bon. Bon, je ne vais pas la démonter jusqu'au percuteur, je vais juste démonter cette partie-là. Donc bon, on passe au démontage. Donc ça c'est les détentes. Donc on avait parlé que la détente celle-ci déconnait. Donc là c'est le système de sécurité. Là, tac 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 tac. Donc il est là. Oula, il y a tout qui vient, on m'en démontrera après ça. Je le montrerai après. Donc c'est ça. Là, hop, ça tire pas. Là, ça tire. Donc à mon avis, il doit être comme ça parce que là, on voit vraiment qu'elle bouge pas. Et là, hop, donc il doit être pas assez en arrière parce que s'il a vraiment. Donc on verra si on peut le réparer. Donc on va démonter ceci. Alors je vais pas démonter tout ce qui est là et tout parce que c'est très dangereux. Il y a plein de, je suis pas armurier, hein. Il y a plein de, comment ça s'appelle, de ressorts et tout. Donc ça pour le démonter, il faut le faire sous étau. J'en ai pas à disposition. Donc il faut le faire sous étau et prudemment et savoir ce qu'on fait. Moi je sais que il faut le faire sous étau et j'ai jamais démonté de ceci. Donc bon, je m'y intéresserai si les percuteurs ne marchent pas. Mais si ça marche, un petit nettoyage et un peu d'huile, ça devrait marcher en sachant que l'arme marche totalement. Donc bon, je vais essayer d'enlever la clé. Parce que c'est vraiment dégueulasse dessous. Donc bon, je vais essayer. Mais pareil, là, la clé, petit zoom, cette clé-là, on voit que la vis, elle a été pratiquée, quoi. Donc si elle a été vraiment pratiquée, vu l'état de l'arme, c'est pas pour la nettoyer, c'est qu'à mon avis, le coup où elle a été démontée une fois, ben, c'est pas trop bienvenu, quoi. Donc bon, on va essayer sans l'abîmer parce qu'il y a les petites gravures. Donc c'est parti. J'essaie de m'appuyer. Alors, ça vient plutôt bien. Ah oui, j'avais oublié d'y aller. Salut Néo. Re à tous. Donc on est le deuxième jour, on est le lendemain du début de la vidéo. Parce que j'ai eu un petit problème avec la clé du fusil. Car celle-ci ne voulait pas s'enlever, il y avait plein de. C'était vraiment, vraiment très, très encrassé. Donc, actuellement, ce que j'ai fait, c'est que pour enlever cette clé, bon, on avait enlevé la petite vis qu'il y avait ici, la petite vis là. Et j'ai abaissé donc la vis à l'aide d'un petit marteau pour l'abaisser.
afin d'enlever cette pièce. Donc, cette pièce qui était ici, voilà, ça fait l'espèce de petite aile là. Et bon, j'ai deux trucs. Ici, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très encrassé. Donc, on peut le voir, là, il y a des taches de partout, là, il y a des taches vraiment de partout. J'ai nettoyé l'intérieur avec l'acétone, mais bon, il n'y avait rien d'intéressant à montrer en vidéo, sincèrement, à part c'était vraiment, vraiment sale. Et l'intérieur où il y avait cette pièce, il faudra le laver à l'acétone. Donc là, on le fera ensemble. Donc à l'acétone, j'ai mis les vis ici. J'ai mis cette pièce. J'ai mis cette pièce qui était très sale vu que l'intérieur est sale. La clé, le pontet. Donc là, on va continuer le nettoyage de la bascule. Essayer de résoudre le problème des détentes par rapport à la sécurité. Je vais montrer le petit problème qu'il y a après. Et continuer. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc l'idée, premièrement, ça va être de nettoyer à l'acétone toutes les pièces pour les dégraisser, enlever toutes ces marques noires, tout ça, parce qu'il y a de la crasse sous forme de poudre, tout ça. Et après, ça sera le lustrage avec le mirror. On va essayer qu'il soit un peu brillant, quoi. Et après, voilà. Après, l'huile de lin sera pour la crosse. L'huile d'arme, ça sera à la fin pour graisser le tout. Et le WD-40 si j'ai des petits problèmes tout au long du nettoyage. Donc là, on va commencer avec l'acétone dans le trou qu'on avait dit et celui-là. Et c'est parti, quoi. Là, on va passer au nettoyage des détentes. Donc, les détentes pour les nettoyer, ben, tout simple. Et une petite vis là. Bon, je peux enlever les gants. J'enlève les gants. Hop. Il y a une petite vis ici, juste ici. Donc, cette vis, on la dévisse. C'est parti. On prend le petit tournevis. Toc, ça vient tout seul parce que j'avais mis un peu de dégraissant avant de tourner la vidéo. On fait effet levier pour la remonter, si elle veut bien. Pas très envie. Voilà. Hop. Donc voilà, il y a les deux détentes qui tombent. Détentes, on va les mettre au bain d'acétone. Et ce petit bitonio là qui bloque pas assez, on va l'étudier quoi. Et voir si peut-être il y a un jeu. Voilà, il y a un assez gros jeu là. Donc, voir comment régler ce jeu qu'il y a là. Mais bon, je sais pas trop. Donc, on verra. On verra, on verra. Bon, là, il faudrait le petit pointeau. Hop. Pour enlever ça, à mon avis. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Toc. Clac. Ça se lève. Oui, non. Non, oui. Voilà. Et là, on a cette partie-là, voilà. Et là, il n'y a plus rien à démonter. Donc, on nettoie l'acétone. On met les gants. Au repos. Ça, 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 ça. Donc là, on va faire les petites parties. Ça a tout été trempé à l'acétone. Donc, on va essayer de les faire revenir avec le miroir. Donc, c'est parti. Le miroir. Plus besoin des gants, là. Le petit miroir, voilà, celui-ci. Donc là, c'est argent. Bon, c'est pas de l'argent, mais ça suffira, voilà quoi. Ça va très bien. Hop, ça en vire. Et un petit chiffon,
côté propre, l'idéal. Et on va verser délicatement sur la pièce. On va nettoyer les canons. Donc sincèrement, je pensais faire un bronzage, mais acheter tout pour voilà, je veux pas mettre forcément des fonds dans ça pour juste faire le bronzage, en sachant que sincèrement, les canons ils sont dans un bon état. Il n'y a pas trop de rayures. Toutes les rayures qu'il y a, c'est à cause de la longuesse. Rien de. Il n'est pas piqué, rien. Bon. Du coup, on va le nettoyer l'intérieur parce que pas très propre quoi. Donc, pour le nettoyer, WD-40, un peu d'huile et surtout ça, le kit. Donc, le kit, j'ai pas pour les calibres 16, mais j'ai pour le calibre 12. À mon avis, ça fera parce que je vois pas l'utilité d'acheter un calibre 16 alors qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas trop de différence quoi. Donc là, à sec, on va partir sur le nettoyage des canons. Donc on monte les petites barres. Les canons sont nettoyés. Maintenant, je voulais montrer un petit problème qu'il y avait là. C'est quand on prend deux cartouches. Donc voilà, là on a deux cartouches de calibre 16. Donc on met la première. Voilà. On met celle-là, regardez. Hop, elle y va toute seule. Ça ne force pas. Mais celle-ci force. Vous voyez, il faut vraiment appuyer. Et pour la sortir. Voilà, ça glisse pas. Donc, c'est pas très bon ça, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu. Et s'il n'y a pas ce jeu-là, quand elles vont être percutées, ces cartouches, eh ben, ça va gonfler et elles vont être bloquées. Et à sortir, ça va être une misère. Donc, pour les enlever, un petit coup là sur les éjecteurs. Hop. Vous voyez, celle-là, elle est sortie à une vitesse incroyable, mais celle-là, elle bloque, quoi. Donc ça c'est en bonne, parce que regardez, c'est vraiment à partir de là, crac. Donc c'est peut-être dans le canon, mais
Mais même, on le voit quand on met la cartouche et qu'on la bouge, là, et ça bouge pas autant. Voilà, là, elle bouge, quoi. Et elle y va, et elle peut ressortir, voilà. Que elle, elle n'est pas prête de ressortir, quoi. Hein. On la met là, elle ne ressort pas. Donc, à mon avis, le coude gauche, ça sera compliqué à sortir. Alors, peut-être, j'ai essayé de voir si c'était autour qu'il y avait un petit pic ou quoi, mais il n'y a rien. Bon, ça restera comme ça. Hein. Je ne vais pas tirer 1000 coups de fusil avec. Donc, on va ranger ces cartouches-là. Hop. Donc, voilà, le nettoyage de la bascule est fini. Bon, c'est revenu, mais ça reste quand même encore sale. Hein. L'arme est vieille. Il y a plein pas mal. Mais déjà, il n'y a pas de rouille. Bon, je suis content. Elle est bien revenue. Maintenant, c'est voir. Je vais regraisser comment ça s'appelle, tout l'ensemble et voir si surtout elle marche. Donc là, déjà, la bascule. Donc, il faut remettre la petite clé. On va passer, maintenant qu'on a remonté ça et qu'on a vu que tout marche bien, on va passer au nettoyage du bois avec l'huile de lin. Parce que j'ai pas envie de poncer le bois et j'ai peur de le louper surtout. Et surtout qu'il y a les petits, tout ça là, on va dire ce qui a grippe. Donc si je le ponce, ça va l'enlever. Et d'après ce que je sais, je suis pas graveur quoi. Donc. Mais c'est parti quoi, on va laver la crosse et la longuesse, c'est parti. On range. Salut Néo, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Ben là, on va passer à la reconstruction de l'arme, on va dire. Donc, on a les vis, on a tout. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Thank you.
Donc le voilà, il est tout neuf, il est tout pimpant. On va foutre un petit coup final. Donc hop. Voilà. Donc j'ai pas réussi à tout faire revenir, mais déjà il est en meilleur état. Donne plus envie, quoi. Donc voilà, le fusil est enfin prêt. Donc on va essayer. C'est bon, on l'ouvre. T'avais vu? C'était pas possible ça avant déjà. Là, clac, plus de sécurité. Ça marche. Eh bien ça va être, on va l'utiliser en conditions réelles, quoi. Mais par contre, vu que l'arme, on a vu qu'il y avait une détente en... C'est pas très sécuritaire, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vider afin de récupérer juste l'amorce, quoi. Hop, on met de côté. On a nos douilles, donc si on ouvre le fusil, voilà, il s'ouvre bien maintenant. On va mettre les douilles. Bon, ça rentre mal vu que voilà. Première douille, deuxième douille, et on va aller essayer dans le jardin voir si ça marche. On se trouve en campagne, donc on peut le faire, quoi. Donc on va essayer le fusil et on verra bien quoi. C'est parti. Bon, on se retrouve dehors dans le jardin avec la bestiole. Bon, il commence à pleuvoir, mais on s'en fout. Il y a deux petites douilles qu'on a préparées et là on va tirer. Bon, elles ont pas de plomb, pas de poudre, donc ça devrait faire juste quelques claques. Bon, on essaye ça de suite. Bon, on va se mettre là à peu près. Charge l'arme. Hop. Y'en est où? Hop. Et c'est parti. Voilà. Ça marche, tout va bien. J'essaierai de faire un nouveau tir avec la sécurité en route. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc, parfait, l'arme marche. Plutôt content. Donc, de cette arme, elle marche. Elle est en nouvel état. Prête à l'emploi. Je suis vraiment content. Bon, mais je suis sous la pluie. Je vais vous dire au revoir. Et à la prochaine. J'étais content de partager ça avec vous. Bon, allez, à la prochaine!